micro. On commence. Hein? C'est des bonbons. Bon là, on est clairement sur un début de vidéo moins énergétique que d'habitude. Il est 10h13. Je viens de me réveiller, enfin je me suis fait réveiller par le livreur. K.O. Aujourd'hui on est sur l'épisode numéro 3 du LOF. Et je voulais parler dès maintenant mais... tu sais quoi, je vais manger tranquillement. Je me prépare, on s'attrape après. Aujourd'hui, vous allez me suivre un peu dans ma journée. Vous avez dû le voir ce week-end, enfin le week-end dernier, il n'y a pas eu de vidéo. L'explication est toute simple. Vendredi soir, je suis sorti. Samedi soir, je suis sorti. Je n'étais pas en état de faire du montage. Même si j'avais préparé des trucs, hein. J'avais commencé à vlogger parce que je voulais vous faire un LOF ce week-end. J'avais commencé à vlogger début de semaine parce qu'en gros, j'ai sorti un drop Vinted la semaine dernière. Petit extrait de ce que vous aurez dû voir. En fait là je me suis aventuré dans un truc que j'aurais pas dû. J'ai fait une story Insta disant que ce soir je faisais un drop Vinted. Sachant que je n'ai pas choisi quoi vendre, je n'ai pas pris les photos, j'ai pas fait les annonces. Il me reste 5h et quelques pour faire tout ça. Je vais vous montrer, j'ai déjà des petites idées quand même de ce que je veux vendre. Parce que, chose importante, je déménage. Donc j'aimerais faire un gros rangement, grosse vente, etc. C'est une pièce que j'ai achetée l'année dernière, donc j'ai porté qu'un hiver. TNF. Nupst, état nickel, une veste sans manche, ça c'est Zara je crois. Il y a cette veste sans manche Arte, Arquette, elle est très jolie mais pareil je la mets pas. Crewneck brun, ça vient de Sweets Collective, Air Max One Animal, je mets plus du tout, je l'aime bien. Hein. Celle-là les gars je pense que depuis que je l'ai, j'ai dû la porter deux fois. Elle va partir pour beaucoup moins cher que son prix retail. A few moments later. Je voulais vous donner des nouvelles de mon drop Vinted hier. Si on fait un petit récap de tout ce qui est parti, en vrai, quasiment tout. Ce qui reste, il y a déjà eu des offres que j'ai acceptées, j'attends que ça paye potentiellement. Avec cette vente Vinted, on a généré 1005 tout rond. Donc là, ça va me mettre très très bien. Je peux mettre un peu d'argent de côté, je peux me faire plaisir, je peux acheter des cadeaux, je peux réinvestir dans les vidéos. Donc c'est propre. Je vais vous montrer un peu ce que j'allais vendre pendant le drop. Le jour même, j'ai fait aussi un petit live cop. 17h58, on se retrouve vite fait à 18h dans 2 minutes. Il y a une collection qui sort de la marque Mocovel. Je vais mettre l'enregistrement d'écran très rapidement. Je suis un Gaulmont, je fais nimpe. Le roi des Gaulmont, frère, le maître Gaulmont. Combien de temps il reste? 20 secondes. Si je parle pas trop, si je suis concentré, je me dépêche. Merci, c'est là. Il est là, 89 balles. Taille et coupe. Hein? 1m82, il porte du XL. Comment ça, chef? Et je prends du L. Tac, tac. Pourquoi ça marche pas? S'il vous plaît, sur ma taille, le mec il fait 1m82, il a du XL, c'est nimp. Ah, c'est bon. Alléluia. Sélectionner un relais. Attendez, je vais pas montrer mon relais, après vous allez venir me cambrioler. Mais là, cette semaine, je me suis dit, vas-y, en vrai, je voulais quand même sortir une vidéo, j'étais sur une bonne lancée, que des vidéos shortées. Là, j'ai foiré. Vous allez me suivre dans ma journée complète. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai reçu un colis avant, je vais vous montrer en détail, enfin, on va voir ce que c'est, parce que... Il y a des marshmallows dedans. Là, cette vidéo, vous allez la voir peut-être le mercredi ou le jeudi. Ce week-end, il y a la vidéo La régalade des abos. L'objectif de la vidéo de dimanche, c'est que plein de marques m'ont envoyé des articles, soit des habits, des accessoires, etc. Et moi, je présente ça, donc ça fait déjà découvrir des marques. Et en plus, j'offre tout. Et là, justement, c'est un article qui est à offrir. En fait, je sais pas, c'est bizarre. Genre, en gros, j'ai reçu ça. C'est censé être un bracelet. Ok ? Mais je comprends pas pourquoi il y a des marshmallows dedans. Mais ça a mangé ou pas ? T'as mangé. Oh la dinguerie. Mais wesh. Je vais mourir. Le bracelet il est dans les bonbons. Je les perds, ça se maintient mieux dans les bonbons. C'est comme ça. Et il est méchant. Faudra passer un coup sur le pour la personne qui va recevoir. Mais franchement c'est cool. Là c'est un article que j'ai reçu pour la vidéo de dimanche. J'ai déjà reçu pas mal de choses qui sont juste ici. Regardez. Tout ça là. Ce qui va jusqu'au sol. Ah oui j'ai reçu des sapes. Attendez je vais vous montrer. Déjà le bonnet que j'ai là. Look Dunum. Carré de fou, trop content. En fait, j'en avais parlé vite fait sur TikTok. Ils m'ont envoyé un message pour me remercier en gros d'avoir parlé d'eux. Est-ce que t'es chaud? On t'envoie des sapes.
J'ai dit oui. Je prends le truc avec lequel j'ai découvert la marque, c'est ce t-shirt. Grosse inscription, sérigraphie un peu en puff comme ça, enfin il y a du relief. Le t-shirt je le trouve trop méchant. Je me suis dit, je demande ça, c'est tout, tu vois. Basta, on s'arrête là. Et ils m'ont envoyé en plus ce bonnet. Ils m'ont envoyé aussi... Là, paire de chaussettes, une noire, une blanche. Vraiment, big merci, ça fait trop plaisir. Le t-shirt, il coupe trop bien. Dinguerie. À côté de ça, ah oui, qui sont tombés sur les anciennes vidéos à moi où j'avais parlé d'eux. Ils vont me dire, ah ouais, putain, on n'avait pas vu, merci, machin. On est sur un neat épisode où j'avais déjà présenté. Vous devez peut-être vous souvenir, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, j'avais présenté ça, là. Biggie et Tupac. Et le deuxième, c'était Frank Ocean. Tac, comme ça. J'avais commandé et tout, je t'ai refait. Très cool d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets les trucs en description. Dernière pièce que j'ai reçue. Ah, et pas des moindres, on est sur la petite pocket de chez Paternoster. Franchement, trop une dinguerie. Depuis que je l'ai reçue, je fais que la mettre. De toute façon, je vous avais déjà présenté Paternoster, c'est peut-être une des meilleures marques hein, de sac. Hein. Fait à la main et tout, c'est trop propre. En plus, c'est souvent des exemplaires un peu limités, ils en font pas des masses. Et justement, comme c'est fait main, ils peuvent pas se permettre de faire des productions de fou. Si je dis pas de bêtises, ils ont rallongé leur... leur drop. N'hésitez pas à aller sur le site, je vous mets ça en description. Et la singerie que j'ai vue, c'est que là, ils ont lancé une collab avec Luther, je crois. Ça s'appelle Luther. Pour moi, les deux meilleurs modèles, c'est ceux-là. Je vous les cale là. Je vais même pas parler. Si ça vous chauffe, allez sur le Insta de Luther, du coup. Ça drop de façon très, très limitée, ça. Et je crois que ça sort là dans la semaine, peut-être fin de semaine. Donc si ça vous chauffe, soyez vifs. C'est pas tout, mais il faut travailler. Parce que c'est bien beau de recevoir des affaires, mais il faut taffer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? Comme je vous l'ai dit avant, j'ai un TikTok à tourner. Dans ma journée, on va dire, j'essaie de le faire le plus tôt possible. Tout à l'heure, je vous partage un peu des idées cadeaux pour Noël si jamais vous en avez pas. On va certainement aller en ville aussi pour bah justement, moi j'ai des cadeaux à aller faire, à aller chercher. Je crois que je reçois encore des colis dans la journée. Faut que je prépare bien la vidéo de dimanche. J'ai un basket ce soir, il y a la Ligue des Champions et je crois que c'est tout, c'est pas mal. Ouais, vous allez me suivre tout au long de la journée. On va déjà faire les TikTok. TikTok c'est comment? TikTok, en gros, j'ai ma petite note où j'écris à l'avance tout ce dont je veux parler. Aujourd'hui, on est le jour 12 et je vais parler de Waze. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais changer de micro. Tac. Suite là, vous allez péter votre crâne, ça va être trop bizarre à l'écran. Là, je vais lancer le rec, on va partir en freestyle, je sais même pas ce que je vais raconter encore. J'avais déjà ce bonnet hier, je crois. On y va. Un jour, une rêve spéciale calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on s'attaque à des nits. Le tournage du TikTok, c'est bon. Ça m'a pris 7 minutes à tourner tout ça. Là, je vais dérush en balle. Et après, je vais m'attaquer vraiment au montage. Je vais enlever toutes les parties qui servent à rien. Des fois, il y a des blancs. Des fois, il y a des moments où je réfléchis à ce que je vais dire. Ici, la détresse et l'audio. Quand t'as rien, ça veut dire que je parle pas. Je sais que je dis rien à ces endroits-là. Du coup, j'enlève, c'est rapide. Ça nous a réduit la vidéo à 4. Je vais m'occuper de faire un petit montage. Je vous montre après le rendu. On est terminé avec mon TikTok. Ouais, 13h54. Bon, entre temps, je suis parti manger et tout. Les textes qui sont rajoutés, il y a tout ce qui est photo. Il y a les zooms aussi, parce que ouais, ça c'est trop important pour dynamiser le truc. Petit aperçu du rendu. Un jour, une rêve spéciale calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on s'attaque à des nits. Ceux dont je vais vous parler, ils ont fait pas mal de bruit l'année dernière. Ils sont même ressortis cette année, je crois. Ah ouais, j'ai un colis qui est arrivé, faut que j'aille le chercher. Ça, c'est pour la vidéo de dimanche. Tac, on a. Ah, il y avait deux casquettes, ça, je m'en souviens plus. Elles sont pas mal, hein. Un peu... ouais, c'est en jean. Il y a de la broderie à l'avant, sur le côté. Je suis content d'être tombé sur des marques comme ça, parce que ça change. Un petit bonnet, violet. Comme ça, je vais pas encore l'ouvrir. Méchant, avec des petits stickers, des petits trucs. Tout à l'heure, je vous avais dit, je voulais vous donner des idées cadeaux, tout ça. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai demandé perso. Faut savoir que je suis... c'est un gosse. J'ai 24 ans, mais on dirait j'en ai 6. Regardez ce qu'on fait avec mes darons. On se fait tout le temps des genres de petites listes pour Noël. Eux, ils écrivent juste. Moi, je fais les choses bien. Déjà, bon, ça, budget de baiser. Je l'ai mis par dépit. Je pense pas que j'aurai ça, mais on sait jamais, c'est proposé. Deuxième truc, des habits. Forcément, ça va servir. Écharpe Jacquemus, aussi très peu d'espoir. Mais j'ai mis une alternative un peu moins chère. 120 balles, ça, ça peut le faire. Un jean que j'ai offert à Flo dans la dernière vidéo. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez vu. Si jamais vous l'avez pas vu, elle s'affiche quelque part en haut. Un ensemble de survettes Loma Lab. Je suis toujours à la recherche du survette parfait, entre guillemets. Là, ça fait quoi un ensemble à un arrondi à 150, 160 balles? Autre idée, sacoche.
praline. Là, j'ai demandé en noir, mais il y a plein d'autres couleurs qui sont dispo. C'est 80 balles. Ça peut passer un cadeau à 80, je crois, hein, je pense. Parfum, très important. Primordial, quand tu sors. J'ai mis des bagues Chain Nation. Dans une dernière vidéo, je vous en avais parlé. Parce qu'ils avaient des bêtes de promo Black Friday. Ça a été changé, mais c'est à peu près la même promo pour Noël. Soit t'achètes deux produits, il y en a un qui est offert. Soit... C'est quoi l'autre? T'achètes un produit, même si c'est en promo déjà, t'as encore une promo en plus. Je devais recevoir des bijoux pour vous présenter dans la dernière vidéo. On n'a pas réussi à faire en sorte que ce soit là à temps, mais j'ai reçu mes bails après. J'aime trop, attendez. C'est où que j'ai mis ça? Toute simple celle-là. J'espère que vous allez bien voir. Par contre, à côté, je voulais tester une bague un peu plus bling bling, on va dire. J'ai essayé celle-là, et je la kiffe trop, je la mets tout le temps. J'espère que ça va bien faire le focus. Vous voyez, ça brille un peu. Trop méchant. Avec ça, ils font des pendentifs avec des pays ou des îles ou bref, il y en a plein. Et du coup, il y avait la Martinique. Moi, je suis originaire de là-bas, j'avais pas de collier. Encore. Ils en ont fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Du coup, j'ai encore demandé ça. Est-ce que je vous dis là, c'est même pas sponsor ou quoi, hein? Je vous dis juste parce que c'est un vrai bon plan pour les fêtes et tout. Soit vous me demandez des rêves de bijoux. Certes, sans les promos, c'est un petit billet quand même à dépenser. Et là, avec les promos, c'est trop d'art. Voilà ce que je voulais vous présenter vite fait, vous donner des idées pour Noël. Je voulais vous caler une vidéo au début, après, je me suis dit, bof, je sais pas. Bref, j'ai pas fait. En termes de taf, on a déjà fait le TikTok, ça c'est bon. J'ai encore à travailler plus tard sur l'orga de la prochaine vidéo. Mais ça, je vous montre... Je vous disais, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'habiller vite fait. On va partir en ville avec le téléphone, il faut prendre la caméra. Je vais voir si je trouve des idées cadeaux, etc. Si j'ai des trucs à acheter, on verra. Ensuite, je rentre, je taffe. On part au basket à 19h. Graille, et après, la vidéo s'arrêtera par là. Au moins, vous aurez vu ce que je fous de ma journée, en gros. On va trouver une petite tenue, maintenant. Pas une petite tenue, une grande tenue, quoi. Je suis pas là à poil en ville. Et là, j'aimerais mettre ça. Écharpe cos que je me suis prise là tout récemment. Donc, je suppose qu'on va faire une tenue full black. Ah, mais j'ai plus de pantalon. Ouais, c'est bon, j'ai ma tenue. Cargo, cos, grosse, boots. Je vais changer peut-être de haut, quoique si je garde la veste, en vrai, on va pas le voir. Et au-dessus, je mets une veste qui est pas ici. Là, comme ça. De toute façon, je vais vous montrer la tenue bien après. On reprend cette masterclass. Je mets ça. En vrai, bel ex, ça. On peut le faire, hein. Oh, on va caler ce bonnet pour faire un peu plus street. Tac, je crois que là, on est bon. On y va. On est arrivé dans le centre-ville, c'est la merde. En ce moment, il y a trop de monde, full touriste et tout. Et je vais aller chez Cos. Vite fait, ça c'est pour moi, voir s'il y a des bails. S'il n'y a rien, après, on va direction un magasin. Parce que ma mère, elle aimerait un truc pour Noël. Maman, si tu regardes ça, passe, va plus loin. Et après ça, je dois aller chez Uniqlo aussi. J'ai vu une veste dans une vidéo, c'était la vidéo de Jordi, je crois. Elle m'a matrixé un peu. Faut que j'aille voir si on a ça ici. Je crois que j'ai encore 2-3 magasins à faire, je vous montre. Je vous montre juste après. Bon les gars, je suis sorti de Cos. J'ai trouvé un pantalon, j'ai essayé deux pantalons. Il y en avait un, ça allait pas. Le deuxième, je me suis forcé pour pas l'acheter. Au final, je l'ai pas acheté, c'est carré. J'ai trouvé un premier cadeau, ça c'est bon. J'ai vu ce que je voulais, donc c'est bon aussi. Là, on va finir chez Uniqlo en bas. Il commence à faire sombre, donc je vais essayer de bombarder.
Oh putain, les gars, je suis rentré. Je suis trop fatigué là, j'ai pris une frappe. J'ai fait que des allers-retours et tout. Enfin, bref, je sais même pas si vous allez comprendre ce que j'ai filmé. Quand j'étais chez Uniqlo, j'essaye mes habits et je regarde dans mon sachet. Je vois quoi, je vois, c'est pas le bon truc. J'attends, la meuf me dit pas, elle a foutu un autre truc dedans. Pas le bon article. J'ai refait un aller-retour sous la pluie et tout. Je me suis fait saucer. Ce qui fait que je suis rentré que maintenant. Il est 18h03. 30 minutes, on repart direct au basket. Non, je voulais taffer pour la vidéo de demain. Tant pis, je ferai ce soir. Bref. On va aller s'amuser, ça va être mieux. Salut, je m'échauffe. Tu fais quoi? Je m'échauffe. Oh, le fou. Bon les frères, je sais pas si vous allez entendre grand chose, on est arrivé. J'essaie de vous poser quelque part. Et ouais, ça va roug, hein. Ça va roug. Marion, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions pour aujourd'hui, pour ce match? Je serais trop fort aujourd'hui. Tu es trop fort? Au nom de Dieu, je suis trop fort. Jure? Il était bien à fond. Je suis vraiment. Get 10%. Non, attends, c'est pas prêt. Vous n'avez pas les impressions. Au nom de Dieu, vous n'avez pas les impressions. Ouais. Attends, monsieur. Ouais, je suis. Attends. Mais. Ah, toi, attends. Attends. Je me mets bien comme ça. Vas-y. C'est trop fort aujourd'hui. Il était bien après. Chanto, un mot pour le vlog ou quoi? Vas-y. Regarde. Oh là là là. Ouais, t'es plus proche que Flo. Les abonnés. Premier match, ça a gagné. C'est les vainqueurs ici. Ah, ici, c'est vraiment gagné. Premier match, ça gagne. Pas de tardance, ça, c'est de la gagne, c'est une mentalité. Je suis nickel, frère. Ça, c'est fait mal. À l'épaule. Ah, sa mère. Je sais quoi, il pèse celui-là, je sais pas comment il fait. On va repartir sur un deuxième, je pense. Dinguerie, comment j'étais trop fort aujourd'hui. Et c'est là que se termine ce petit vlog, les gars. Comme vous l'avez vu, Flo, il s'est fait mal et j'ai pas filmé toute la suite parce que, vas-y, ça allait être trop long. Après, on est parti prendre une petite graille devant la Ligue des Champions. Mais en fait, je suis con, moi, quand je vous disais la Ligue des Champions, je pensais que c'était Paris qui jouait. Et non, c'est pas Paris ce jour-là. Je vous fais ces petits outro pour finir ma vidéo parce que là, je suis sur le montage. Et du coup, il me faut une fin. Ça, y a pas de fin. Donc, si t'as kiffé, laisse-moi un petit like, un commentaire, tu me dis ce que t'as pensé du vlog. Comment on peut améliorer le bail? N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je suis chaud. Je compte sur vous pour être là dans 2 jours pour la vidéo, la régalade des abos. On s'attrape très vite, venez sur Insta, venez sur TikTok, venez partout. Bisous la mif, ciao!